rapide info nouveau, donc quelques nouveautés, même s'il y a des problèmes d'acheminement. Donc un sourcine, je crois que c'est une compile, il y a du démo et puis du bonus. Après Armageddon et Evil Fist, je crois que ouais, c'est juste un 4 titres. Il y a aussi un split, et un Striborg et un Draconel. Alors Verglas sanglant. Je crois que c'est un MCD, hein. Et ça donc de la démo. Dark Priest, j'ai réussi à récupérer 3. Il y a un nouveau Revanche. Alors pourquoi Revanche? Ben, parce que c'est avec John Red, un très bon batteur. Orgat, Orgat, donc c'est 4 lives. Abyss. Nocturne Abyss, donc j'ai réussi à récupérer celui qui me manquait. Ça c'est donc Sorgelic. Mocknat. Ça c'est la réédition en digipack de Moroc. Hop. Hop. Donc il n'y a rien de plus, hein, c'est juste la version digipack. Donc Stridge, un macabre. Après ça c'est Wint, je sais plus comment, c'est de l'Atmo. Mortelune, alors Mortelune on va le retrouver dans une compile. Un split de Warmon Lord, ça je sais plus comment ça s'appelle, c'est avec Tréfira. Après une compile de Swan Temple, donc il y en a 3, un petit poster. Donc Lugubris, alors ça c'est l'album, mais ils ont sorti une compile de démo, ou c'est oui, 2006-2016. Après, réédition de Marduk, rien d'extraordinaire, c'était juste pour le digipack. Donc, Drowning the Light. Compile de Shore Press of Ladon, un Vroin Grim, c'est une compile, hein. C'est les deux premiers repas, je crois. Donc Borg, alors je me suis trouvé du Mayhem, bon il y a beaucoup de, c'est la première période, hein. Donc c'est un live, ça donne dans les sons de démo, puis là c'est que un instrumental. Endon Cross, Coral Earth. Alors Dungeon, c'est deux musiciens de Pest, le Pest allemand. Ça c'est Kerker. Réédition d'un Kona en digipack. Donc Nitophilia. Donc ça c'est les deux que j'ai réussi à récupérer. Et puis ça c'était d'un, c'est le même mais c'est d'un autre label. Et il y a Elmon. Ah oui, c'est un album. Donc après, on va attaquer les plus gros. Donc ça, c'est Verkart. Donc voilà, c'est une... Il y a un DGA 5 de Dragon L. Alors, faut vraiment le savoir. Après, ça, je sais plus, je vous le marquerai. Donc, ça, c'est une compile
Alors, c'est la compile parce qu'il y avait Morte Lune. Alors, donc ça c'est de Rain House. Alors, c'est de la compile de démo. Voilà, avec un patch puis un livret à 5. Donc, encore un Farm Temple, mais c'est la réédition de celui-là. Après, un funérarium. Donc voilà, et puis le truc sympa, c'est il y a le plan du cimetière du Père Lachaise. Donc, le dernier Acorantas, alors c'est moi qui ai rajouté ça, parce que sinon, c'est ça, il y a l'intérieur. Donc l'album. Autocollant, pins, après il y a un Ward Mic, donc j'ai eu du mal à l'avoir, et aussi le label aussi. Donc il y a un poster et il y a aussi une carte de dédicace groupe. Alors boîtier plus gros. Alors, boîtier un peu plus gros, donc Win Latter. Alors, boîtier DVD, et oui, vous ne rêvez pas, je me souviens des os, un mot, alors pins, digipack. Alors, c'est un oiseau. Hein. Ça c'est un coffret, donc 10 exemplaires, il y a plusieurs versions, hein. Moi j'en ai eu que deux, donc ça c'est la deuxième. Donc pareil, digipack, livret, cassette, CD, et puis donc encore les os. Je sais pas comment ils ont fait pour en avoir autant. Donc ça c'est deux versions. Donc ça c'est la première version, troisième version. Après. Donc ça c'est Negator. Alors c'est moi qui ai rajouté ça. C'est moi qui ai rajouté le blanc pour le pour caler, donc digipack et puis une carte. Et le dernier, donc je range ça, c'est le Black Altar. Alors, c'est énorme le coffret. Drapeau, drapeau, digipack, cassette, LP. Voilà. Voici pour cet épisode.